Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Cryostasis. Ah oui, donc nous avions fait par là-bas, puis ensuite par là-bas nous avions bien souffert dans certains passages. Et évidemment ceci s'était ouvert, enfin était possible à ouvrir, donc nous allons faire ça. Oh là là, j'ai eu un... C'était un chargement. Oh mais je suis vraiment désolée de vous imposer ce chargement. Si j'avais su qu'il y en avait un, on aurait fait le chargement la dernière fois tout simplement. Donc c'est pas dramatique. Vous avez droit au joli bateau. De toute manière, j'avais essayé de démarrer cette vidéo sur le chargement et Fraps ne voulait pas. Fraps boudait ce beau bateau blanc que nous avons en général au début. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Sauvegarde automatique, ce n'est pas tant mieux, je n'aime pas les sauvegardes automatiques, je ne leur fais pas confiance. Et bien évidemment, nous sommes coincés. Alors, une question se pose, c'est comment est-ce que nous allons ressortir de ce bateau si on nous coince à la fin de chaque sauvegarde. C'est marrant, mais je ne sens pas du tout cet endroit. Je ne me sens pas du tout. Autant j'adore ce jeu, autant il y a des endroits que je ne sens pas. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Je ne sais pas où je vais. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que ça va faire ça encore? Oula. Pour la troisième fois, Averkin. Présent. Barbukin. Présent. Dubrovski. Présent. RHF. RHF. Zobachev. Présent. Kaektin. Il n'est pas là. Levi. Levi. Mazira. Décédé. Navrotsky. Oh mon dieu. Nureyev. Portée disparue. Tatorov. Tatorov. Je pensais. Là, il est là. Undakov. Uryasov. Fyoulin. Kaklimov. Undakov et Kakimov sont restés dans la salle des machines. Et Navrotsky travaillait en bas. Où sont-ils à présent? Pas ici. Tsiverov. Chelkanov. Eliashev. Présent. Tous? Non, Eliashev seulement. Yurigin. Yadujin. C'est pas grave. On va s'en sortir. Voilà où nous en sommes. Le QG est au courant de notre situation. Ils sont en train de préparer une expédition. Nous aurons des nouvelles lorsque la radio sera à nouveau opérationnelle. Ensuite, les valves sont en train d'être soudées un peu partout. La deuxième ligne devrait rester chaude pendant un bon moment. Donc, nous n'aurons pas froid tout de suite. Pour ce qui est de la nourriture... Oh, des pauvres quand même. C'est horrible. On est totalement impuissant, en plus on peut rien faire, non? On peut en sauver quelques-uns grâce à notre écho mental, mais c'est pas... Ah! Je trouve pas ça suffisant. Un souci peut-être. Montre ton boulot, allez. On charge vite, s'il te plaît, merci. Fusil la tête, ça se trouve. Hop. C'est bon, on l'a eu, recharge. Ah, je vais avoir droit à quelque chose, tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'aime quand on me donne des fusils comme ça. Oui, mais quand on les donne... Mais, donnez-moi le fusil. Mais. Le fusil, non. Bon, tant pis, pas de munitions pour moi. Non, ça a fait descendre une échelle et je n'y ai pas accès. Bon, on va faire le tour par l'autre côté. En espérant qu'il y ait un passage. Es-tu plus chatte que moi? Non. Où est-ce qu'on va? Et toi? Non! Ça ne sert à rien. Eh bien, évidemment, il n'y a pas de chemin par là. Comment je pousse? Faut que je le pousse alors. À moins qu'il y ait une échelle qui soit tombée ici aussi pour monter là-haut. Non.
va faire attention à ça. C'est bien, bien rouge là, ça ne me coupe pas trop. Autant ça nous échauffe, autant je garde un souvenir de la salle rouge. Un peu rouge. J'ai vu rouge. Non, désolée, je n'ai rien dit. J'étais obligée de la faire. Je suis désolée pour ceci. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors toi, par contre, tu vas me réchauffer. Oui. Ah, ça c'est génial. Voilà, allez, hop là. On se regarde manuellement. Oh, il m'a blessé, lui, je vous raconte pas. Mais... voilà, on va lui offrir un petit peu moins de surface pour qu'il puisse nous toucher. Voilà, donc ça c'est bon. Donne-moi ton fusil. Non, toi, tu ne peux pas récupérer tes munitions. Ça serait injuste. On me tire dessus maintenant. Non, c'est de la lumière. Oh là là, mais si on me tirait dessus. Non, mais c'était pas de là où je croyais. Oh là là! Ah, boulet, boulet, boulet! Recule, 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 recule! Mais ça fait juste de la lumière, ça, en fait. Ça explose. C'est une fusée de détresse, en fait, non? Ouais, c'est une fusée. Ah, attendez, ça. Voilà l'arme que j'affectionne particulièrement. Est-ce que monsieur se relève? Non, monsieur a eu son compte. Alors voilà, très bien. On charge. On va se réchauffer un petit peu. J'ai froid. Voilà. Hop. On y va. On continue. Ah bah ça y est, maintenant je peux récupérer ton fusil. Enfin. D'accord, donc je sens qu'on va avoir d'autres surprises un petit peu. Voilà, c'est ça que je sens pas, c'est limite en fusion ce truc. On va récupérer son fusil également. T'es en fusion, tu dois me réchauffer toi, non? Ne tue pas! N'explose pas la tête! Ne me déverse pas des coulées de lave sur la tête! Pitié, 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 pitié. Tu es un jeu de neige, tu ne dois pas avoir de lave en fusion! Merci. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est celui que j'aime pas. C'est celui que j'aime pas. Bah, la tête quand même. Faut pas abuser non plus. La tête! La tête! Où est sa tête? Oh, j'ai perdu sa tête. Ah non! Je crois qu'on peut reprendre notre arme au corps à corps. C'est quand même pour moi. On va reprendre l'autre arme, le fusil, on la recharge. Je recharge avant parce qu'avec l'araignée, il y a un souvenir de recharge absolument pitoyable. On n'est jamais trop prudent. On y va, allez. J'aime pas ces bonhommes, ces zombies là. Quoique, si oui, comparé aux zombies araignées, je préfère tout de même. Je préfère tout de même. D'accord, donc je suppose qu'on va redescendre ici. On va voir. Oh, ça ne sert à rien. On descend là. On monte. Oh, vous n'avez rien vu. Vous n'avez strictement rien vu. Moi non plus d'ailleurs. Je ne sais absolument pas ce qu'il s'est passé. Il ne s'est rien passé du tout d'ailleurs. Alors hop. Non, donc on descend, c'est bien ça. Vas-y. Non. Vas-y. Mais comment je descends à cette échelle? Je ne descends pas à cette échelle. C'est pas possible. On ne va pas y arriver. Attendez.
Ah, c'est peut-être un clic gauche plutôt qu'un clic droit. Oui, mais si je fais clic gauche là, je vais me retrouver... Ouais, c'est bien ce qu'il me semble. Quand on tire, faire un clic gauche, ça tire. Alors la question se pose. Je fais le coup à chaque fois qu'il y a une échelle. Je n'ai toujours pas compris comment on se sert des échelles. C'est terrible. Mais... Ils sont bizarres. Les échelles sont bizarres. Attendez. Ah, non, je n'appuie sur rien, ça se fait tout seul. Alors pourquoi diable ça ne se fait pas tout seul avec l'autre? Ah oui, c'est vrai que j'ai de l'énergie pour courir et pas plus. Et pour sauter aussi, donc il faut que je l'économise. J'en sprint pas tout le temps. Alors, ben on va se laisser faire, mais regardez quand je me laisse faire, vous avez vu ce que ça donne. C'est peut-être pas forcément la meilleure idée du monde. Mais je comprends pas. Ou alors c'est trop froid en bas. Mais vous avez bien vu, hein, j'ai rien à faire normalement pour l'échelle, vous êtes d'accord avec moi. Hein? Je vois pas. Je vois pas ce que je fais mal pour l'échelle. Vraiment, vraiment, je ne vois pas. J'avais rien à faire là. Oh. Oui, bon, d'accord, j'avais tort. J'avais tout à fait tort. Il fallait faire ceci avant. Bon. Ça arrive. Souvent, hein, mais ça arrive. Je ne me fais plus avoir par la surprise. Bonjour. On retrouve un magnifique décor. Avec de la neige partout. C'est super. J'ai récupéré des munitions sans même en avoir conscience. Oui. Ça m'a allumé la lumière, c'est bien. Est-ce que tu me réchauffes? Non, je suis déjà bien réchauffée. Bon. Donc, on descend. Encore bousiller nos cartouches. Alors, par contre, je vais me cailler en bas. Ma durée de vie va être fortement limitée. Moi, avoir un peu peur. Moi, ne pas savoir parler. Voilà. Moi, ne plus savoir parler non plus, tellement ça me fait un petit peu peur de mourir. Ici, comme ça, ce ne sera pas notre première mort de froid. Avance, ne te pose pas de questions. Avance. Oh. On a failli mourir. Vous avez vu ça? Nous avons frôlé la mort. D'accord, donc il faut faire ça dans l'ordre. Oui, mais j'ai peur. Bon, vous êtes prêts? Et comment? Le télégraphe est en état. Fais ce que je vous dis. En arrière-toute, je voudrais leur commercial. Machine arrière-toute. J'ai peur. Panna, c'était pas... Non. Fermeture des écoutilles. Système d'extinction des feux activé.
D'accord, donc on va se taper un incendie. Donc maintenant que nous savons ça, avec calme et sérénité, on recommence. Le télégraphe est en état. Fais ce que je vous dis. En arrière toute, je vous traîne en commercial. Machine arrière toute. Turbine, toi, active le système d'extinction manuel. Non, 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 mais me laisse pas toute seule. C'est quoi le système d'extinction manuel? Ok. Redescends, j'y vais quand t'as fini. Redescends, putain. Sauf. Je déteste le feu, mais à un point absolument abominable. S'il te plaît, reviens. Si tu pouvais décéder, je t'en serais reconnaissante. Mais si tu veux jouer à ça, pas de soucis, pas de soucis. J'adore viser les têtes. Merci. Voilà, une, deux. On va vérifier. Ah oui, 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 je veux bien. Je veux bien, je veux bien, j'en ai bien besoin. Oh, punaise, on avait rien du tout. Je suis allée leur tirer dessus avec ça comme vie. Mon dieu. Ah ben, on a eu de la chance. Hein. On a eu beaucoup de chance en un coup et. Et on était complètement mort. Alors, on y va. On récupère ce fusil, hein, parce que voilà, on a vraiment bien besoin de munitions. On recharge. Toi, là, voilà, ton petit fusil également. Toi, tu ne me réchauffes pas suffisamment. Toi, est-ce que tu t'ouvres? Je n'ai pas l'impression que tu t'ouvres en fait. C'est ça mon fusil. Je crois que la suite c'est ici, pas là. Qu'est-ce qu'il essaye d'attraper à chaque fois? Je ne comprends pas ce qu'il souhaite attraper. Ah, c'est peut-être la lampe. Voilà, c'est la lampe. Je suis sûre que c'est la lampe. Allez, allez. Oh! Mon dieu, mais regardez-moi, c'est magnifique. C'est magnifique. Cette neige est absolument bien faite. C'est tellement beau. Ce jeu est magnifique. Ce jeu est absolument merveilleux. Ce jeu est génial. Si vous voulez y jouer, ce jeu est sur Steam. J'avais du mal à le trouver, mais je l'ai trouvé sur Steam récemment. Parce qu'il y a des jeux comme ça, introuvables, dont on ne sait pas qu'ils sont sur Steam, mais quand ils sont en promo, ils apparaissent comme par miracle et on ne sait pas comment. Donc il y est effectivement, hein, je l'ai trouvé sur Steam. Même si je ne pensais pas qu'il y était, et il est. Relativement facile à trouver en magasin actuellement. C'est un peu par période en fait, on va dire. Et régulièrement, il est très facile à trouver. Oh là là! Oh mon dieu! Oh waouh! Il est beau celui-là! Mais il fait peur!
mal. Ça nous fait mal. Nous sommes morts, nous sommes morts, nous sommes morts, nous sommes morts. J'ai besoin de chaque j'ai besoin de... d'être sauvé. Mes prières ont été entendues. Restait pas grand chose. Je ne pense pas l'avoir tué, ce qui signifierait qu'il a disparu tout seul. Il était beau en tout cas. Je le trouvais très très beau. J'ai eu peur, j'ai entendu un bruit, ça ne venait pas de moi. Ce n'est pas moi qui avais fait ça. Je savais pas trop ce que c'était. Ok, bon bah éco-mental. Du fuel est en train de brûler là-dessous. Et on ne pourra pas l'éteindre avec de l'eau. Il faudrait activer l'inhibiteur. Mais elle ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il nous faut un adaptateur de valve comme celui-ci, mais un entier. Je pense que je peux en fabriquer un rapidement. Va me chercher des barres de métal par là-bas. Par où? Par là? Oh non, tu rêves. C'est pas par là, les balles de métal. Les barres de métal. Ça, ce sont des barres de métal. Oui. Tiens. Tu prends? Tu prends ma barre de métal? Tu vas la prendre, ma barre de métal? Mais j'en fais quoi? Mais tiens! Oh! C'est pour qui? Pourquoi tu veux pas ma barre de métal? Oh, tiens! Tiens! Alors, tu as trouvé? Dépêche-toi, ou on va étouffer. Je l'ai trouvé, ta barre de métal. Tu vas la prendre. Mais je peux rien faire. Mais tu vas la prendre, ma barre de métal. Mais je fais quoi, moi? Oh là 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 là. Mais prends-la, mais prends-la. T'es où? Mais pourquoi tu la prends pas? Mais vas-y, mais fabrique-la, s'il te plaît. S'il te plaît. Pitié, mais prends ma barre de métal. Prends-la. Mais prends-la. Enlève ta main de ta figure et prends ma barre de métal, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai peur. Mais prends ma barre de métal. Mais prends-la, mais regarde comme elle est belle, regarde. Non, je veux pas mourir. Non, mais prends-la. S'il te plaît. Non. Mais non, mais je veux pas mourir. Mais c'était une barre de métal, ça, pourtant. Je comprends pas. Je vais plus vite, comme ça il a son matériel à côté, monsieur. Oh! T'es où? Alors, tu as trouvé? Dépêche-toi! Tiens! On va étouffer!
faut que je fasse ça comme ça en fait. Ok, ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris le principe. T'aurais pu en prendre une toi aussi. Oh, faut savoir dans quel sens y aller. Je vais finir le boulot. Tiens. On a réussi. On a réussi. On a réussi. Un miracle. Bug du tout, c'est juste que c'est noir. C'était étrange. Bon, bah écoutez, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on reprendra la prochaine fois. Mais alors, du coup, je me demande s'il n'y a pas encore un chargement que je n'aurais pas vu ou. Ben, on commence à bien le connaître ce jeu en fait. Chaque fois qu'on a un passage délicat, après on a un chargement. Donc on va s'arrêter là, je confirme. Donc on va attendre la fin du chargement et on se regardera également par nous-mêmes pour être sûr de commencer là la prochaine fois. Ce sera plus sûr. Donc on doit encore changer de niveau, je pense. Bon, bah voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, il aura été riche en échos mentaux, hein. Ce n'est pas à chaque fois qu'on a deux échos mentaux. Bon, bah nous verrons ce que nous veut cette porte la prochaine fois. Je le sens pas, mais c'est pas grave. Bon, bah écoutez, passez une très très bonne semaine, une bonne journée et portez-vous bien. À bientôt.